Et ben voilà, petit réveil, réveil sur les coups de 7h30. Donc aujourd'hui, une bonne centaine de kilomètres nous attend. On devait s'arrêter à Montgiscard, mais je pense qu'on va essayer de soit pousser jusqu'à Toulouse ou s'arrêter avant, parce qu'à Montgiscard il n'y a rien. Apparemment, c'est un trou perdu. Franck a regardé sur la carte. Donc voilà. Et je te reprends pour le dicton du jour. Bon, le dicton du jour, le bon vin et l'amour font passer d'heures au jour. Matin départ, mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon cache-cou. Donc bon, là ça va, il fait pas trop froid. En plus cette semaine, ils annoncent des températures donc qui vont monter de jour en jour. Là aujourd'hui on devrait avoir 30 degrés, donc ça va. On va pouvoir enlever donc la doudoune et être en t-shirt. Mais bon voilà, je croise les doigts que le matin il fasse pas trop froid, parce que sans cache-cou, ça pique. Dire qu'il faut être un peu funambule sur ce pont. Soit faut rouler sur la partie lisse et qui est près de l'eau, ou sur la partie qui est défoncée, en galet. Enfin bref, hop, on envoie le bout. C'est parti. En petite pause pour les pieds. On se fait une petite pause au niveau d'une petite écluse, là c'est sympa. Oh. Bon, il fait plus bon. Oh tiens, regarde, attends. Regarde la vue. Bref. Ouais, je t'avais dit qu'il faisait un petit peu plus chaud. C'est le cas. Mais il fait toujours aussi froid. Hein. Enfin, il fait toujours froid. Juste assez pour avoir la petite goutte au nez. La goutte au nez. Enfin. Allez, on se repose les petons.
Bon, et ben voilà, comme tu vois, on est dans le resto préféré des Wheelers. On est arrivé donc au McDo de Saint-Jory. Du coup, on va changer notre itinéraire pour ce soir. Dans Shorter, ça sera beaucoup mieux. On change notre itinéraire pour ce soir. On devait aller à Montgiscard, donc 20 km après Toulouse. Et du coup, on a décidé de s'arrêter à Toulouse, pouvoir profiter de la ville, tout ça. Et du coup, voilà. En plus, on va être sûrement être accueilli, par un wheeler et hébergé. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, petite pause à Saint-Jory au McDonald's et après direction Toulouse. Bon, et ben voilà, nous partons donc du McDo. Moi, je me suis rechargé jusqu'à 85-87%. Et là, il nous reste juste 17 km pour aller donc à Toulouse. Donc au moins, on aura de la batterie pour visiter un petit peu Toulouse, voir les bons petits coins. Et puis, en attendant donc le wheeler qui doit nous héberger et qui est dispo à partir donc de 18h. Donc on le retrouve à 18h. Allez, c'est parti. De la ville et puis voir à quoi ça ressemble tout ça. Bon, et bien voilà, petit souvenir pris de la ville de Toulouse, un pour moi et un pour madame. On va rejoindre les copains qui sont partis boire une petite mousse, ces salauds, sans nous. Donc voilà, allez, let's go se désaltérer. Direction mobilité urbaine. Bonjour. Entrez. Christophe bon, est un wheeler aussi. Santé. Bonne santé. Bon bah voilà, petite boutique, mobilité urbaine, à Toulouse. Vous allez comme ça jusqu'à Narbonne. On est parti de Morlaix. Entre deux mers. Exact, ça. On a fait la vélodyssée jusqu'à Royan. Exact, sur le sac. C'est pas loin, c'est pour une manière de laisser vos sacs. Christophe, pardon. Et ben il y a Christophe du coup qui nous propose d'aller chez lui déposer les sacs et de nous faire une petite visite donc de la ville de Toulouse. Donc c'est super à lui. On va le suivre. Let's go. Exactly, it's too many. As long as
I'll feel better anyway. Forgot about my problems, but how am I gonna get home? I spend all my money and drinks and now I roam. Donc nous repartons de la place du Capitole. Donc je refais les présentations parce que ça a été très très vite. Néo de chez Black Geek Day et nous avons. Il est où? Il doit être derrière, tu dois le voir. Hop, c'est donc Sébastien qui nous accompagne pour visiter la ville de Toulouse. C'est parti. Bon, et bien voilà, petite balade terminée. C'était super sympa, on a vu des très 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 belles choses. Merci au Wheeler donc de Toulouse. Et là, on va donc manger au restaurant Les 4 Saisons. Et on va s'en mettre plein la panse. Allez, c'est parti. Bon, et bien voilà. Et bien Seb, à la prochaine. Et puis si on se voit pas aux Electrium Games, voilà. On fait ça. Allez, ciao. Ah, les Krigas surtout. C'est pas les Wheeler. Et voilà, petit restaurant donc terminé. Donc c'était super bon, on a mangé donc chinois et tout. Comme d'hab, hein, ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir discuter de notre passion. Et du coup, ce soir, nous dormons chez Christophe. Voilà. Déposer nos sacs là-haut et du coup bah on va dormir là-haut et c'est proposé de nous héberger. Donc c'est super super gentil à lui. Mille merci si tu regardes cette vidéo. Allez, let's go. Et puis je vous dis à demain. I'll take a yellow sip, cause I'm trying to have a better day. Ain't gonna get delirious, just sit here by the bay. Might take a bigger sip, starting to feel okay. The party's getting serious, so all the other things